Lui, c'est Claude. Un coq très intelligent. Il est rentré tout seul. Il a grimpé tout seul là. J'ai fait une petite place s'il veut grimper vraiment plus haut. Il est très fatigué, mais trop stimulé pour réussir à s'endormir. Ça, j'ai éteint la lumière. Je vais éteindre la deuxième. Peut-être qu'il y arrivera mieux comme ça. La nuit est tombée un peu tôt, j'ai été surprise et il est venu me chercher dans la maison. Parce que j'étais pas sortie pour aller le coucher. Parce que chaque soir, il se met à la fenêtre et dois-je venir le prendre dans mes bras pour aller le mettre dans la grange. Quand il était petit, ils ont éclos dans mon bureau. C'était pas celui-là à l'époque. Et ils ont grandi poussins jusqu'à être des petits coquelets quand même. Ils avaient plusieurs mois. Ils ont commencé à aller de plus en plus dehors. Et quand on a déménagé ici un an, ils ont dû rester tout le temps dehors. Là, ils ont environ 18 mois, donc ils ne doivent pas être encore complètement adultes. Je suis pas une experte en poule. Je connais même pas sa race. Mais comme il est roux, et bon, on l'a appelé Claude, comme dans Final Fantasy VII. Et ses trois frères. Et ils avaient une sœur qu'on a élevée ensemble dans mon bureau. Leur sœur, on l'avait appelée Jessie. Et elle est grise. Et qui est morte de carence alimentaire. Et après, bah, il y avait les trois frères. Barrett. Parce que c'était le petit poussin noir. Que je vous partagerai peut-être un jour. Et Sid. Parce que c'est le petit poussin blanc qui est maintenant plus un petit poussin. Bonne nuit.